Merci, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous. Je vais me concentrer sur la question de la priorisation dans l'accès aux soins, notamment en soins intensifs et en réanimation en période de Covid. Donc, il va y avoir beaucoup d'échos avec ce que viennent de dire Sophie et Céline. J'ai 5 points différents et je commence par un certain nombre de distinctions qui, moi, m'aident à me clarifier les idées. Alors, quand on doit déterminer si une personne doit être admise en soins intensifs ou en réanimation, il y a deux raisonnements possibles, me semble-t-il. Le premier, c'est un raisonnement individuel. On s'intéresse à ce patient-ci, sur son meilleur intérêt, considéré individuellement. Donc, on regarde ce patient, sa situation, ses souhaits, son pronostic avec et sans traitement. En gros, quelle sera sa durée de vie, sa qualité de vie avec et soins intensifs. Donc, on s'interroge sur la pertinence des soins, limitation, arrêt de traitement. Ça, c'est une première manière de raisonner. Il y a une deuxième manière de raisonner qu'on peut appeler un raisonnement populationnel, où cette fois, le point de référence, ce n'est plus l'individu ou le groupe, ce n'est plus l'individu, mais le groupe. On se demande comment répartir efficacement et ou équitablement des ressources limitées. On veut minimiser la mortalité et la morbidité pour l'ensemble de la population ou pour un groupe de patients donnés. C'est par exemple ce qui se produit quand on est en situation de pénurie, mais même quand il y a une inadéquation des ressources aux besoins ou même une finitude des ressources. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une situation de pénurie pour être obligé de prioriser, c'est-à-dire de mettre en œuvre un raisonnement populationnel. Alors, il y a trois situations où on le connaît traditionnellement. Les urgences, quand vous allez aux urgences, vous n'êtes pas pris en charge selon votre ordre d'arrivée, mais en fonction de la gravité de votre état et justement du caractère urgent des soins. Deuxièmement, ça se pose par exemple pour la distribution et la répartition des organes et des tissus. Il y a des personnes qui sont en attente de greffe. On ne procède pas entre elles par tirage au sort. On considère le degré d'urgence, l'ancienneté sur la liste d'attente, l'espérance de vie avec ou sans la greffe, le pronostic dans les deux cas. Troisième exemple, évidemment, ça a été rappelé, c'est celui de la médecine de guerre ou de catastrophe. Et imaginez qu'il y a une explosion dans les transports en commun ou que vous êtes, comme dans le film Pearl Harbor, face à un flot massif de blessés. L'infirmière dans ce film va mettre du rouge à lèvres sur les corps des soldats qu'il ne faut pas soigner car on estime rapidement que leurs chances de survie sont trop faibles. Donc ça, c'est des modalités de raisonnement populationnel. Là, on se pose pas, on raisonne pas en fonction de l'individu. Donc ça, c'est ma première distinction. Je préfère personnellement bannir totalement le terme de triage ou de tri qui me semble induire vers des choses différentes. Et donc, je distingue, c'est ma deuxième distinction. Pour moi, je n'appelle pas raisonnement populationnel un raisonnement où arrive un jugement sur la valeur de la vie des individus, sur l'idée qu'une vie peut valoir mieux qu'une autre ou qu'une vie vaut davantage la peine d'être vécue d'une autre. Là, ça, ce serait peut-être du tri ou du triage, mais à mon avis, le problème pour nous n'est pas là, puisque ça, on en voit très rapidement le caractère peu éthique. Deuxièmement, et ça a été évoqué ce matin, j'exclus de ce raisonnement populationnel le fait, par exemple, pour un établissement de santé, de choisir ses patients en fonction de la rentabilité, des actes qui sont faits et de choisir plutôt une opération coûteuse qu'un patient qui va rester longtemps et peu rapporter à l'hôpital. On voit bien que là, la logique n'est pas populationnelle, mais tout à fait égoïste au niveau de l'établissement en question. Troisième distinction, pour moi, un raisonnement populationnel, j'exclus aussi les approches totalement arbitraires de favoritisme ou de biais liés à la ressemblance avec la personne que je vais favoriser ou de différence perçue avec celle que je vais discriminer. Donc, du coup, troisième distinction qui me semble aussi nécessaire, sinon
Personnellement, je ne comprends pas du tout de quoi on parle. Je vais appeler ça rapidement une priorisation absolue avec des guillemets et priorisation relative. Par exemple, j'appelle priorisation absolue le fait d'avoir ou non accès à des soins. Quand il y a un nombre de lits de réanimation limité, soit j'y vais pas. Il y a une priorisation différente, par exemple, dans le champ des vaccins, de l'accès aux vaccins, où là, la priorisation, c'est une temporalisation de l'accès aux soins, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose que d'y avoir accès ou pas. D'y avoir accès aujourd'hui, dans un mois ou dans 6 mois, c'est pas totalement du même ordre. De la même façon, dans toutes les recommandations nationales ou internationales, il est dit que même quand vous n'avez pas accès aux soins de réa ou aux soins critiques, vous devriez avoir accès à minima à des soins palliatifs, voire, et ça s'est beaucoup fait en France, à des soins intensifs hors réanimation. Ça s'est notamment fait dans certains services de gériatrie, notamment à la PHP, où des personnes ont bénéficié de soins intensifs, ont été sauvées hors d'une situation, hors soins de réanimation. Du coup, alors peut-être que il y a quasiment peut-être pas de priorisation absolue, en tout cas de tri, au sens où vous n'auriez en fait accès, ce serait vous auriez accès à la réa ou à rien du tout. Et du coup, je me demande au bout du compte si entre les deux raisonnements, types de raisonnements que j'ai distingués en commençant, individuel et populationnel, est-ce qu'on est dans une différence de nature avec deux choses qui sont deux raisonnements complètement antithétiques, ou est-ce que il y a une différence de degré entre les deux, et ce qui compte selon les moments, c'est le degré, la part de raisonnement individuel et populationnel qu'on met en place dans les deux cas. Franchement, je n'ai pas de réponse à cette question, mais ça me paraît beaucoup moins évident qu'avant d'y réfléchir, que ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Mon deuxième point sera beaucoup plus court. Il porte sur l'écart entre les discours et les réalités. Caroline Isambert l'a rappelé tout à l'heure. Selon les autorités, en première vague, même au pire moment de l'épidémie, il n'y a pas eu en France de priorisation. Donc, si je retraduis dans mon langage, il n'y a pas eu de raisonnement populationnel. C'est toujours une approche, une logique individuelle qui a prévalu, parce que on a mis en œuvre une ouverture massive de lits, une mobilisation de personnel, des transferts dans d'autres établissements et dans d'autres pays, ce qui aurait permis d'échapper à la mise en œuvre d'une approche ou d'un raisonnement populationnel. Effectivement, les retours de terrain qu'on peut avoir sont quelque peu différents, puisque un certain nombre d'établissements disent que au moins pendant une journée, parfois pendant une demi-journée ou une nuit ou un week-end début avril, ça c'est pour l'Île-de-France, ils ont été en situation de saturation, de débordement à l'entrée de certains services, et pendant quelques heures, ils ont mis une limite, par exemple une limite d'âge notamment, parfois à 70 ans, à l'entrée des services. On a surtout des témoignages, mais c'est des témoignages indirects, ils n'ont pas encore fait l'objet, à ma connaissance, d'études en sciences humaines, du fait qu'il y a eu une forme de triage en amont ou de priorisation en amont, avec à la fois une autocensure de certains patients eux-mêmes, y compris pour d'autres pathologies qui n'ont pas appelé les secours, ou une autocensure de certains acteurs de santé, puisque les EHPAD nous disent très clairement qu'ils ont parfois été confrontés à des services d'urgence dont la première question était quel est l'âge et quel est le GIR, le degré de dépendance ou de perte d'autonomie fonctionnel de vos patients. Donc, il y a ce décalage et c'est un peu problématique qu'on n'arrive pas à avoir une discussion sereine, factuelle, sur le fait à quel point cette logique populationnelle a été mise en œuvre, à quel point il y a eu des personnes qui n'ont pas eu accès aux soins auxquels elles auraient normalement dû avoir accès. Ça, c'est une question complexe qui est les pertes de chance, qui va un peu au-delà de notre sujet, mais ça me semblait un peu important de le mentionner. Troisième point, c'est un certain nombre de questions que je voudrais lister pour montrer que le sujet apparemment très 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 précis qui nous est proposé dans cette dernière table ronde de la journée
renvoie en fait à des directions très diverses et je vais en choisir quelques-unes. Donc sur cette question de la priorisation et du raisonnement populationnel dans l'accès aux soins en période Covid pour les soins intensifs ou la réanimation, il y a premièrement une question procédurale qui sont les critères de priorisation. Comment les élaborer? Qui devrait les élaborer? Quelle démocratie? Ou quelle participation dans leur élaboration? Il y a une question à côté de cette question procédurale, il y a une question substantielle, qu'est-ce qu'on met dans ces critères? Est-ce qu'on va les déterminer a priori? Est-ce qu'on va les faire évoluer? En France, on a beaucoup, et Céline vient de le rappeler, utilisé une échelle de fragilité qui combinait état clinique, besoin de réanimation, état antérieur, âge, comorbidité, état neurocognitif, évolution clinique, donc un ensemble de facteurs et donc au final une espèce de score global. À côté de ça, je trouve qu'il y a d'autres questions qui me sont un peu moins abordées que Frédéric Lechterflack a abordé dans plusieurs articles. Il y a une question qu'on pourrait dire sociopolitique, c'est-à-dire quelle explicitation nous devons faire collectivement du fait qu'il y a de la priorisation et des critères. Est-ce que nous devons en parler ouvertement? Est-ce que les professionnels de santé, le système de santé doit en parler ouvertement? Est-ce qu'il doit le reconnaître? Est-ce qu'il doit communiquer sur les critères? Qu'est-ce que ça va changer pour les familles, pour les patients, d'avoir cette conscience qu'il y a des contraintes qui interviennent dans les prises de décision, qui ne sont pas dans une logique d'approche individuelle, mais dans une approche populationnelle. Moi, il me semble, mais c'est un avis personnel qu'on pourra discuter évidemment, que la population française sait bien que les ressources de santé sont pas infinies et qu'elle sait bien qu'elle ne peut pas attendre en situation de pandémie les mêmes standards de soins qu'en temps normal. Et nous, on a notamment eu beaucoup, à l'Espace Éthique Île-de-France, beaucoup de témoignages de patients avec des maladies chroniques et des comorbidités nombreuses qui nous ont dit, moi, je sais très bien que si je l'attrape et que ça se passe mal, c'est fini pour moi parce que je n'aurai pas accès à des soins de haute intensité. À côté de ces questions un peu qui semblent d'emblée principielles et avoir une valeur éthique importante, moi j'en vois au moins deux qui me semblent moins discutées et qui me semblent au moins aussi intéressantes d'un point de vue éthique. Le premier, c'est une question très pratique de mise en œuvre, c'est-à-dire comment on va organiser concrètement à l'échelle d'un territoire, d'une région, d'un département, d'un CHU, d'un territoire de santé, comment on va organiser concrètement cette priorisation. Qui va le faire, avec quelle traçabilité, si les soignants sont en bout de chaîne et qu'ils ont à assumer des décisions dont les principes, dont les critères n'auront pas été démocratiquement décidés ou assumés, ça peut être problématique. De même, si les médecins doivent trancher, si ce sont les médecins dans les services eux-mêmes qui doivent trancher, ça semble très compliqué d'appliquer vis-à-vis de ces patients potentiels, vis-à-vis duquel normalement on a une approche exclusivement ou quasi exclusivement individuelle, d'avoir une approche populationnelle aussi. Donc est-ce qu'il ne faut pas protéger ces médecins cliniciens en première ligne dans les services et est-ce qu'il ne doit pas y avoir en deuxième ligne ce que j'appellerais une infrastructure de priorisation? Si on va au bout de la logique, il faudrait probablement aller jusque-là. Quelle infrastructure de priorisation pour mettre en œuvre concrètement ces critères qui auront été décidés en amont. Ça pose la question de la bonne échelle. Est-ce qu'elle est locale, nationale? Est-ce qu'elle est à un niveau intermédiaire? Elle est régionale? Probablement qu'il y a des critères qui doivent être assumés, décidés au plan national et qu'il faut également une souplesse et une capacité de discernement pour une mise en œuvre locale en fonction des circonstances. En tout cas, s'il n'y a pas d'infrastructure, on risque d'avoir non pas on risque d'avoir des pratiques discriminatoires sur l'âge, sur la présence d'un certain nombre de maladies ou de handicaps. Et d'ailleurs, on a plusieurs signes indirects et parfois même des témoignages directs du fait que cela s'est produit. Mon quatrième point va aussi être assez bref. Je vais m'appuyer sur un article qu'on trouve sur un site québécois qui s'appelle La Presse, qui est paru, c'est un article qui est paru le 19 janvier dernier.
qui décrit comment au Québec des centres hospitaliers se sont donnés, alors comment ils se sont donnés globalement un protocole, je cite, de priorisation des patients aux soins intensifs en cas de débordement du système hospitalier, comment ils ont essayé de faire un effort pour le préparer en amont et se préparer à l'appliquer. Ils décrivent que un premier protocole a été concocté en quelques jours quand ils ont vu la situation en Europe et qu'ils se sont dit ça va nous arriver. Et puis ça a été réélaboré avec Paul Louvet et Dubuc. On a eu des échanges avec des diététiciens américains cet été et notamment avec des chercheurs de l'Emory Center à Atlanta où ils nous ont aussi décrit les critères de priorisation qu'ils avaient mis en œuvre. On a aussi travaillé avec eux sur les critères à Johns Hopkins où ils avaient au départ des critères vraiment très sommaires du style pour les patients avec un cancer, selon que la survie est à 5 ans ou à 10 ans, ils envisageaient pas d'avoir le même investissement de soins et ils faisaient la même distinction pour la maladie d'Alzheimer selon qu'on était à un stade modéré ou à un stade sévère. Ils ont eux-mêmes critiqué ces premiers critères qui leur semblaient trop simplistes. Ils ont commencé par là et puis ils les ont affinés par la suite. Ce qui est intéressant dans la description de ce système québécois, c'est que pour eux, évidemment, l'important est surtout de tout mettre en œuvre pour éviter d'avoir à déclencher des pratiques conformes à ce protocole, d'augmenter le nombre de lits jusqu'à une sur-sur-saturation, de mobiliser des étudiants, de baisser le ratio du personnel soignant, de faire des transferts, bref, de tout essayer. Ils citent même la ventilation manuelle. Pour opérationnaliser ces critères, ils ont mis en place aussi des trios de priorisation avec des médecins et des experts, et que en gros, ils se basent sur un pronostic à court terme et plus un temps estimé de sevrage par rapport aux appareils respiratoires, donc un taux de mortalité. Et si le pronostic à court terme est identique, ils utilisent aussi ce qu'ils appellent l'argument du cycle de vie, qui est une façon de prendre en compte l'âge, hein, le nombre d'étapes de vie à vivre dans le raisonnement, le fait d'être ou non un professionnel de santé, et si ces critères ne permettent pas de trier, de prioriser, ils organisent un tirage au sort. Et ils précisent que dans tous les cas, il n'y a pas d'abandon de soins. Et ils décrivent que des patients, plusieurs patients atteints de maladies graves ont participé à la clarification de ce protocole et à la mise en œuvre, à la description d'un certain nombre de critères. Et ces patients disent qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes seraient en queue de peloton si ce protocole devait être activé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont apporté ces patients dans l'élaboration des critères? D'une part, se sont opposés à l'idée d'un seuil lié à l'âge. Ils ont essayé d'affiner le critère lié à l'âge et ils se sont opposés à la mention de maladies spécifiques dans ces critères. Donc, je ne décris pas, que ce soit bien clair, hein, je ne décris pas cette organisation comme un modèle à suivre. Je voulais qu'on ait un exemple précis de ce que ça suppose de mettre en œuvre une logique populationnelle fondée sur des arguments utilitaristes. Pour ma part, je ne suis pas du tout sûr que on soit prêt en France à aller jusque-là, mais c'est une question importante à se poser. Mon tout dernier point, et je m'en arrêterai là, c'est que il y a quand même une question, à me semble-t-il, de culture éthique et philosophique. Il me semble que moi, j'ai pas été surpris personnellement de voir les Nord-Américains mettre en œuvre des critères et une logique utilitariste. Leur philosophie, traditionnellement, leur éthique, elle est traditionnellement utilitariste et ils l'assument depuis des siècles. Et quand vous êtes étudiant en philosophie ou en éthique aux États-Unis ou au Canada, vous biberonnez de l'utilitarisme depuis le début de vos études. La situation est complètement différente en France et même en Europe. Et je suis pas du tout sûr qu'on assume une approche utilitariste dans ce cas-là, même pour avoir une logique plus efficiente. Moi, je suis particulièrement sensible aux arguments selon lesquels
y a un effort qui est ce qui est véritablement éthique dans cette démarche, c'est tous les efforts qui peuvent être faits pour ne pas se retrouver dans la situation de devoir prioriser selon une approche populationnelle. Je trouve que ce qui doit être fait, si jamais pendant quelques jours, pendant quelques semaines sur un territoire donné, on doit le faire, je ne suis pas sûr que cela relève véritablement de l'éthique. Peut-être que cela fait partie du travail des éthiciens de participer à cela, mais je ne suis pas sûr que, on puisse véritablement caractériser ces critères de priorisation comme des critères éthiques. Mais mon avis n'est pas figé sur ce point. Donc, au final, je trouve que la question de principe de quels critères on choisit est une question intéressante, mais je trouve que la question de savoir comment on implémente les critères, quelle infrastructure on est prêt à se doter, comment on fait pour que ce ne soit pas les médecins qui soignent qui aient à appliquer ces critères, mais des équipes en. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas comment on s'en sort avec des critères trop complexes. Si on a un score qui utilise 5, 6, 10 critères, je ne vois pas comment dans une situation d'urgence, on arrive à collecter chez des patients qu'on ne connaît pas autant d'informations importantes pour les colliger dans un score. On est obligé d'avoir des critères relativement simples, une combinaison de critères relativement simple, ce qui donc le problème n'est pas tant de faire de l'éthique dans l'urgence, mais de décider en urgence de rétablir de la collégialité ici, et plutôt moins que de la démocratie très très large. Je me poserai la question de la démocratie sanitaire et médico-sociale. Comment on fait pour associer des patients, des malades, des familles, des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des personnes qui seraient qui ont une expérience de ces situations de santé. Je pense que, y a une question de démocratie très large et peut-être qu'il faut en discuter au Parlement, mais il faudrait aussi que dans les cellules de crise, dans les hôpitaux, on ait des personnes concernées avec une certaine expérience et une certaine compétence, surtout quand il faut faire un protocole vite et qu'on n'a pas des semaines, des mois ou des années devant soi pour le faire. Merci beaucoup, Fabrice.